Découvrez les 7 meilleures séries originales à découvrir sur la plateforme. Au menu, le fascinant Arcane, le renversant Stranger Things, l'addictif Narco. Note d'attention, ce classement est basé sur les notes des internautes hallucinés. Seuls les films ayant minimum 500 votes ont été pris en compte dans ce top. Un Arcane créé par Alex Ely et Christian Prey-Colinque, avec Hailee Steinfeld, Ella Purnell et Kevin Alejandro. La tension règne entre la riche Piltover et la souterraine et insalubre Zaun, deux villes jumelles et rivales situées l'une au-dessus de l'autre. Tout se complique après l'apparition de nouvelles technologies divisant les populations. Au milieu de cette guerre s'affrontent les sœurs Vi et Jinx, qui après une enfance difficile à Zaun vivent désormais des vies opposées. Vivez une expérience visuelle unique et audacieuse Arcane, une série d'animation américano-française s'inscrivant dans l'univers populaire du jeu vidéo League of Legends, et donne envie à certains de ses célèbres champions. Amateurs du jeu ou non, ce spectacle grandiose saura vous convaincre par de ses riches graphismes, une prouesse technique signée Riot Games, son scénario sombre et mature, ses personnages nuancés, ses combats réalistes et sa bande sont très soignés. Arcane, saison 1 bande-annonce BF de Notre Planète avec les voix de David Attenborough et Salma Hayek. 8 épisodes pour vous faire tomber amoureux de Notre Planète et 8 épisodes pour vous faire prendre conscience de l'urgence de la protéger. Cette mini-série documentaire, à la photographie remarquable, n'est qu'une simple représentation de la beauté de notre monde et de son équilibre fragile. Conte instructif et préventif, Notre Planète est une œuvre essentielle sur la flore et la faune qui nous entoure, qui mise sur d'incroyables paysages et une trame narrative inquiétée pour provoquer chez son spectateur une nécessaire remise en question. Mais il y a de l'espoir pourtant et la série Netflix le prouve bien, démontrant que certaines mesures de sauvegarde mises en place fonctionnent réellement. Ne manquez donc pas ce voyage important, à entreprendre absolument. Notre Planète, saison 1 bande-annonce, 2, VF3 Le jeu de la dame créé par Scott Frank et Alan Scott, avec Anya Taylor-Joy, William Orberg et Harry Melling. Véritable petit bijou visuel et scénaristique, Le jeu de la dame a su séduire un large public, conquis par son intrigue passionnante, adaptée d'un roman homonyme, sa réalisation et ses décors soignés et le charisme de son héroïne. On parle ici aussi bien du personnage que de l'actrice qui l'incarne. Ce personnage, c'est Bess Harmon, une orpheline prodige dont on suit la vie, de ses 8 à ses 22 ans, alors qu'elle s'applique à devenir la plus grande joueuse d'échecs du monde. Une quête en marge de laquelle elle doit affronter ses propres addictions destructrices. Et l'actrice qui l'incarne, Anya Taylor-Joy, qui brille dans un rôle féminin des plus forts, lui ayant valu, à juste titre, le Golden Globe de la meilleure actrice en 2021. Une perle du petit écran à voir assurément. Le jeu de la dame, saison 1 teaser VOST 4 Dans leur regard créé par Ava DuVernay, avec Asante Black, Khalil Harris et Ethan Harris en seulement 4 épisodes, cette mini-série forte et engagée sera vous bouleversée. Dans leur regard, c'est l'histoire vraie de 5 adolescents accusés de viol à l'aube des années 1990. Leur unique crime pourtant, la couleur de leur peau. Avait obtenu sous la contrainte, condamnation malgré un manque de preuves évident, la série suit l'arrestation, le procès, la vie en prison et la dure réinsertion de ce groupe apeuré, manipulé et puni pour un crime non commis, une erreur de justice biaisée qui ne sera rectifiée qu'en 2002. En adaptant à l'écran cette affaire bouleversante, Ava DuVernay réalise là un tour de force, faisant de nous les témoins impuissants d'un abus de pouvoir écœurant, ayant conduit à la destruction de 5 vies innocentes. Dans leur regard, saison 1 bande-annonce BF 5 Stranger Things créée par Matt Duffer et Ross Duffer, avec Millie Bobby Brown, Winona Ryder et Finn Wolfhard Hawkins, Indiana, 1983. Le jeune Will Bierce disparaît. Sa mère et ses amis se lancent à leur corps et âme à sa recherche. Sur leur chemin, une mystérieuse jeune fille au crâne rasé, le chiffre 11, tatoué sur le poignet, 11 ou 11, c'est ainsi qu'on va l'appeler. Possédant d'étranges capacités psychiques, elle semble bien être liée au phénomène surnaturel ayant lieu en ville, et à la disparition de Will. Reconstitution soignée d'une époque adorée, Stranger Things est un retour geek et nostalgique dans les années 80 qui n'en finit pas de ravir, surprendre et fasciner son public. Son intrigue originale est complexe, ses visuels rétro et fidèles et ses personnages attachants ont fait d'elle l'une des séries de streaming les plus regardées au monde. Science-fiction, horreur, drame et sentiments nourrissent ce show des frères Duffer devenu l'un des emblèmes de Netflix. Il en est même peut-être même sa star. Stranger Things, saison 4 teaser Bossy Narco Carlo Bernard, Chris Brancato et Doug Miro, avec Pedro Pascal, Damian Alcazar et Francisco Denis Pablo Escobar. Voilà un nom qui attise la curiosité. Bien plus qu'un show sur sa vie, Narco est une véritable immersion dans le monde impitoyable des narcotrafiquants des années 1980 à 1990, et des autorités qui les ont inlassablement pourchassés.
S'attardant sur les exploits criminels du puissant et violent cartel de Medellín, la série propose cependant un récit complet incluant tous les acteurs de cette lutte infernale entre bien et mal, reconnu pour son réalisme, influent dans son montage images d'archives et films personnellement tournés par le roi de la cocaïne, et sa photographie. Narco a su captiver son public pendant trois intenses et ambitieuses saisons avant d'engendrer, forte de son succès, un spin-off à son tour encensé, Narco, Mexico, lui aussi à ne pas manquer. Narco, saison 3 bande-annonce BF7 Young Royals suit le parcours du jeune prince Wilhelm qui fait ses débuts au prestigieux internat d'Ilerska, au programme recherche de soi et prise en main de son destin. Mais si le jeune homme rêve de liberté et d'amour non jugé, ses obligations royales, elles, ne sont pas toujours de son côté. Créée par Lisa Ambjörn, la série suédoise adolescente, bien différente de ses consoeurs, en a surpris plus d'un. Touchante et sincère, elle atteint son public en plein cœur avec humanité et intelligence, s'éloignant des clichés du genre. Ici, c'est une romance LGBTQ+, qui passionne, avec fraîcheur et authenticité, un amour à la fois jeune et mature. Ce drame intimiste, dont l'écriture est sublimée par un jeu d'acteurs sensibles, est un poème télévisuel qui mérite bien qu'on lui donne sa chance, s'il vous plaît. Young Royals, saison 1 bande-annonce BF, la liste complète des séries originals Netflix.